précédemment. Nous avons joué notre premier match contre Chambourcy avec une victoire 4-1. Nous avons ensuite joué contre Saint-Germain-en-Laye. Nous avons fait match nul, 1-1. Nous avions donc à cœur de nous rattraper sur le prochain match face à Fourqueux. On va tester le nouveau matériel. Alors normalement, ma lucarne préférée va partir. Regardez la tête de Fabio, elle va partir avec. Ah bah voilà. Dédicace. Le technicien, arrête. Tu mets un peu en pression, regarde. Elle est bonne. Deux touches, voilà. On a dit. On a une touche, moi j'ai une touche. Deux touches. Ouais, j'ai une blague. J'ai plusieurs. Tu fais la caisse, c'est du chien. Ouais. Comment appelle-t-on un chien sans pattes? Bon, on l'appelle pas, on va le chercher. Arrive. Oh putain, arrête mec. Non, à la fin, moi j'en ai plus. Oh, dommage. T'as mon bon pied en plus, hein, je suis droitier. T'as pas le bon maillot. C'est pas grave. T'as dit quoi? T'as pas le bon maillot. C'est pas grave. Mais ça c'est pas le bon maillot. Ça c'est pour toutes les fois. Le Barça, ils ont humilié Arsenal. Ah. Tu sais, je m'en rappelle à chaque fois. T'es pas obligé de me le rappeler, merci. Ah non, mais bien. Moi aussi je suis fan d'Arsenal, je sais ça. Barça, il y a toujours un petit script de vidéo avant. Ça c'est les petits coulisses. Alors attends, il faut qu'il tire en premier ou en deuxième. Mais encore, il est pas en costard. D'habitude, il se met en costard. Genre le script et après il change. On est à l'entraînement ce soir du Minsk FC et j'ai choisi 4 joueurs ce soir pour un challenge qui va être un peu spécial. Il y a Mathias, il y a Paul, il y a Quentin, il y a Raïm. Ça va les 4, tranquilles, vous êtes prêts? Ça va, hein. Parce que là ça va être un défi en mode professionnel, je vous le dis direct. On a signé un nouveau partenaire, c'est OneFootball. C'est un nouveau sponsor de l'équipe, il sera en bas du dos du maillot. On fera très régulièrement des OneFootball challenge. En gros, ils veulent vous tester vraiment pour voir si vous êtes de très bons joueurs ou des joueurs moyens ou des joueurs médiocres. D'ailleurs, tu peux télécharger l'application dans la description, c'est gratuit. Nous sommes le 23 au moment où vous regardez la vidéo, le 23 octobre et le 25, il y a Barça Real Madrid. Gros choc. Le Real est pour l'instant devant. Et donc, on va voir si Mathias et Quentin, qui représentent le Barça, sont meilleurs que Paul et Raïm, qui représentent le Real Madrid ce soir. Et pour faire un défi comme les pros, il fallait qu'on ait un service de professionnel. Donc, du coup, on a Goleador Academy qui est venu. Merci beaucoup à eux de nous amener cette machine. Les couleurs, le design, le logo. C'est quoi Goleador Academy? C'est un service au-delà de la machine, surtout un service. Ils vont dans les clubs pour en fait proposer des entraînements comme des professionnels aux licenciés du club. Par exemple, l'Aspire Academy au Qatar, qui est très réputé dans le monde, utilise cette machine. On a un coach qui va nous donner toutes les précisions. On va faire un challenge de reprise de volet avec donc la machine qui va vous envoyer un ballon dans cette zone. Vous allez vous positionner à l'entrée de cette zone de façon à pouvoir attaquer le ballon directement à la réception. J'utilise l'application pour voir un peu les statistiques de chaque équipe. Les tirs cadrés, on est à 40% pour actuellement au moment où on fait la vidéo. Alors que pour le Barça, vous direz plus combien? Moi je dirais 60%. 64%. Ah. S'il marque dans les ouvertures, c'est 3 points. Et s'il touche la bâche, c'est 1 point. D'ailleurs, un grand merci à Skills qui nous a envoyé cette bâche et d'autres équipements qu'on vous fera découvrir lorsque l'on pourra se réentraîner, parce qu'avec le couvre-feu ce n'est plus possible, c'était notre dernier entraînement celui-ci. Quoi qu'il arrive, avant la fin il y aura un ciseau retourné, je n'en ai rien à foutre, il n'y a plus d'entraînement, on est tous collés. Au moins une lucarne les gars, au moins une lucarne. Au moins une lucarne. Allez belle. Oh ah mais non. Ça compte pas les contrôles. Raté. Ça compte ou pas les contrôles? Ça c'est le karma ça. Jamais parlé. Mettez-vous sur le côté gaucher, bien sur le côté, d'accord? Et droitier, mettez-vous bien sur le côté. Oh les belles. Oh quel but! Parce que c'était vraiment beau, 4 points pour ça. 4 points, allez. Bien joué mon gars. Oh oui. Il nous a fait un truc un peu ninja hein. Oh, allez, un petit 2 points pour ça quand même. Et celle-là, elle est bonne.
Et c'est donc le Real Madrid qui remporte ce premier One Football Challenge face au Barça. On verra si dimanche, ce sera la même chose. C'est très surprenant parce qu'elle arrive vraiment dans une zone précise. Ouais, ouais. Et de différentes manières. Ouais, parce que t'as pas l'habitude qu'on te fasse des centres précis, c'est ça que tu veux dire. Là, j'ai le pied rouge, hein, mais c'est juste que j'ai mis trop d'intensité. Franchement, c'est hyper intéressant. Ça permet aussi de se tester voilà, sur des reprises de volée parce que bon, c'est vrai qu'à l'entraînement, on n'a pas beaucoup de centres de qualité. Hein. On voit quelques défauts techniques au niveau de la formation. Ouais. Je dirais pas si c'est au Real ou au Barça. Ouais. Si vous voulez qu'on continue les entraînements avec Goleador Academy, que l'on fasse des spécifiques attaquants, des spécifiques gardiens, mettez un pouce bleu et comme ça, on le saura et on pourra leur demander de garder plus longtemps la machine. Et surtout d'être formé dessus pour qu'on puisse l'utiliser tout seul. Et si vous êtes entraîneur, si vous connaissez un entraîneur ou un club qui serait intéressé par ce service, ou si même vous voulez donner juste un avis sur la machine, sur le service Goleador Academy, vous envoyez un email à cette adresse. On lira tout ça. Je pense que vous avez été traumatisé par le vent, les gars, depuis ce là. Il fait beau toute la journée, tout le week-end, faut qu'il pleuve maintenant là, putain. Allez, c'est moi tranquille aujourd'hui, je parle pas à la caméra là. Pourquoi il boue? Je suis parti là, parce qu'on t'a beaucoup vu dans l'ancien épisode. Pour... De côté? Sur le côté ou devant. Et après, quand tu rentreras, bah, tu sauras quoi faire. Vas-y, ok. De toute façon, on dira avec Romain ce qu'il faut te dire, mais je veux que tu regardes un peu comment ça joue. Ok, okay. Ça marche? Nickel. Ton petit mot de match? Ouais, match contre Fourqueux aujourd'hui. Sur un terrain 2020, hein, synthétique partout de toute façon. Mais non, confiant comme tous les dimanches parce qu'on sait, quel est notre travail à tous les entraînements le mardi et le vendredi. J'ai énormément confiance en l'équipe et au staff. Tout devrait bien se passer. Après, voilà, hein, c'est la D5, tout peut arriver. Et non, voilà. On attend avec impatience ce début de match. Polo, combien de buts aujourd'hui? On va voir. Il y a un coup qui s'est fait sûr, il en met deux. Surprise. Ça, c'est avec ça, il va mettre crochet. Tiens, tu vois. Avec ses là, non, ce crochet, il rentre intérieur, lui qu'en opposé. C'était chaud un peu. Je connais, hein, quoi, temps de se roder. Moi, tu commences sur le banc là? Ouais, je commence sur le banc. Retour des blessures? C'est ça, retour des blessures. Du coup, le coach, il veut pas prendre de risque, je pense. J'ai été laissé un match au repos, ça m'a fait du bien. J'ai pu bien reposer ma cheville, tout ça. Et puis là, ça y est, on y retourne. Ça fait plaisir de pouvoir revenir en match avec les gars, reprendre les marques un peu et tout. Du coup, bah, j'espère déjà que le coach il me fera rentrer. Je pense que oui. Mais après, on verra. Ça dépendra, je pense, de la physionomie du match. Et puis voilà. 1h30 y compris la coupe derrière. 1h30? Ouais. Franchement 1h30 cette coupe, franchement moi je prends. En plus ce coupe là. Oh là là là, non mais là il s'est bien mis pour le. Est-ce qu'il courra encore un peu plus vite? Ouais. Plus de vitesse, plus un vitesse, je sais pas. Ça on verra, ça on verra. Si vous prenez la balle, vous posez, vous jouez vite. Va la balle.
assistant, on gagne 2-1, mais c'est chaud. Pour les ailiers, quand vous partez, quand vous prenez le ballon et vous partez tout seul, ça marche une fois sur trois. Quand vous avez un soutien, vous faites du jeu en triangle en 1-2, ça marche deux fois sur deux. J'ai dit, je compte sur toi pour me prendre en photo. C'est un bon match aussi. Ah, t'inquiète, là c'est que le début. Un débrief sur le but? Juste en balle. Mastias ou Ferra ou Coteo, ou Fracus ou Rotreo ou Hollywood Chewing Gum. Ils m'ont contre-orienté, on frappe pour le calme. Il a dit que Mastias lui a fait une passe en retrait et il a frappé Hollywood Chewing Gum. En fait, ton problème, Paul, c'est que quand t'as la balle, tu lèves pas la tête, tu regardes tes pompes. Et quand tu vas lever la tête, mon gars, tu vas voir la différence et tu vas être vraiment meilleur. Tu vas être plus dangereux. Tu vas être encore plus dangereux, exactement. Suite à un problème de caméra, nous n'avons pas pu filmer le dernier but du Linz KFC qui a été marqué par Sofiane qui est rentré en cours de match. C'était suite à un cafouillage, une balle dans la surface et Sofiane est là pour pousser la balle au fond des filets. Ça nous donne la victoire et on en est très content. Non mais je suis content. En plus c'était mon deuxième match avec Linz KFC donc ça fait plaisir. Mais non, on a fait un bon match. Dur mais on a fait un bon match. C'était un match solide, c'était un match compliqué. En plus moi je reviens rentrer dans un match comme ça, c'est pas forcément évident. Mais après en vrai on s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Comme on a pu voir, les remplaçants, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc faut pas sous-estimer, on a un bon banc et tout ça. Franchement, c'est sympa. Et de voir que toute l'équipe elle a continué à se battre pour aller jusqu'au bout, franchement, ça fait grave plaisir. Petite victoire. Ouais, je n'en ai pas. Je félicité quand même. Non, franchement. C'est un super bon match. Hein. Merci bien beaucoup, vu. Les gars. Même ça si, fait plaisir. Même si m'a fauché, on s'est énervé. C'est bon. C'est le terrain. Bien joué, les gars. Bonne continuation, les gars. Ah, c'est bon. C'était compliqué hein, aujourd'hui, quand même. On s'est mis en danger quelques fois. Mais ça va, on a eu le mental. C'est grâce à lui, hein, je vous le dis. Il a fait un retour défensif. Putain de merde. Donc voilà le maillot domicile de cette année. Capitaine. Merci. Ça fait très plaisir. Voilà. Attends, ça peut la sortir officielle, on peut la faire une grande ensemble. Et le maillot gardien, bien sûr. Tiens, il y a un nouveau numéro. Il est magnifique. Il y a du M. Il est beau. Comment vas-tu Raphaël? Ça va et toi Alti? Ça va. Comment tu te sens avant ce grand retour? Je suis timide, c'est le premier match. Tu te sens bien, Non, je me sens bien. J'ai tous mes gars. C'est plaisir de voir tout le monde. Heureux d'être là, heureux de fou.
heureux de fou. Pas premier match de l'année là. Ah ouais, là, j'attendais celui-là. Premier match, nouveau maillot. Putain, nouveau maillot en plus pour l'inaugurer, magnifique. Ça tombe parfait, meilleur moment. Et ouais, on a hâte de jouer, là j'ai hâte de jouer, j'ai la dalle. J'espère qu'on va gagner et qu'on va mettre en plus la manière. Il faut. Tu me trouves comment le maillot par rapport à celui de l'année dernière? Il est magnifique, franchement, il change. Là c'est un peu plus, enfin les couleurs du jaune est un peu changé, c'est plus orangé. Mais ça donne un vrai style au maillot et en plus, toujours le Peace and Game derrière. Le nouveau sponsor OneFootball. Une préférence pour celui de cette année ou celui de l'année dernière? Je préfère quand même celui de l'année dernière. Ouais, sentimentalement. Ouais, sentimentalement, c'était la première saison. Il avait. Ouais, c'était pas la même chose, mais celui-là est aussi très beau. Bon, comment tu sens le match? De toute façon, à ce moment-là du match, je suis toujours en pression, on attend toujours. Hein. Comme je dis toujours, avant les 10 premières minutes, on sait pas trop comment va se passer le match. On est toujours invaincu, donc j'espère le rester. Il y a des joueurs là aujourd'hui qui vont jouer et qui n'ont pas joué depuis un petit moment, donc on verra bien comment ça va se passer. Oui.
toujours pareil, dans les 20 derniers mètres, eh, vous avez les jambes comme ça. Putain, les gars, Mastias, ouais, aimé une frappée, les gars. J'ai trop dribblé. Moi je t'ai rien dit, j'ai je te demande. Non, je t'écoute. Je crois que j'ai trop dribblé. Il y a pénalty ou pas? Non, j'avoue, j'ai menti. J'étais obligé, frère. Bien sûr, j'ai bien tout. Dis, il y a pénalty. Non, en vrai, bonne première mi-temps. Je pense qu'on a largement le dessus. Maintenant, il reste juste à qu'on concrétise. Parce qu'en vrai, il manque. C'est un manque constant. Donc ouais, en vrai, c'est, on a juste à planter devant, à être plus d'efficacité. Parce que sinon, dans le jeu, on les mange. Donc maintenant, on verra bien dans la deuxième mi-temps. Et surtout pas se relâcher défensivement. Parce que le clean sheet, petit. Clean sheet. Surtout au début de la première. Ouais, surtout au début. J'ai donné toute ma vie là, vis homme. Hey, dans ma tête j'étais Mbappé. J'ai hop, j'ai pa Usain Bolt. Et poteau, purée, j'ai trop la rage. Ah, j'ai pas marqué. Ah, c'est pas le maillot finalement. Non, c'est pas comme si j'avais raté, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas comme si j'avais raté. C'est juste que vas-y, il y avait une occasion pied gauche, c'était compliqué, angle fermé, ça passe à ça, mais. Après la trêve, t'inquiète. Hein, on se fait peur, hein, on aime se faire peur. On aime se faire peur. Voilà, je suis tellement content. Tellement content enfin de pouvoir vous montrer ces maillots, j'espère qu'ils vont vous plaire. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez, maillot domicile, maillot extérieur. Là j'ai mis au-dessus d'un sweat le maillot domicile. Moi c'est mon préféré parce que forcément c'est moi qui ai créé le club, c'est moi qui ai choisi les couleurs du club et voilà, je trouve qu'il est très très beau. Moi c'est avec un flocage de qui? C'est Abou. Abou je crois. Moi je vais lui donner son maillot quand je le verrai. Normalement j'utilise pour vous le montrer. Donc voilà, Adidas, Winamax, un grand merci et surtout on n'oublie pas One Football qui nous accompagne cette saison, un grand merci à eux d'avoir rejoint la team. Mais surtout pour le maillot extérieur, parce que vous ne l'avez pas encore vu, on n'a pas encore joué avec. Le voilà, il est juste ici. Je suis très très impatient d'avoir votre avis sur ce maillot. J'ai envie de dire, moi je l'aime beaucoup parce que c'est moi qui l'ai fait forcément. Mais franchement, il est, je trouve très beau et surtout il est original. Alors la coupe elle est pas originale parce que la coupe elle est très classique, enfin c'est une coupe droite, contrairement à celui-ci qui est plus en mode old school, avec du coup un espèce d'un peu d'arrondi ici. Mais le design est vraiment quasiment unique, enfin quasiment aucun club qui a ce design un peu militaire. Donc en commentaire là aussi dites-moi si vous préférez le domicile ou l'extérieur. Et bien sûr le One Football qui est présent. En tous les cas ils sont en vente dès maintenant. Le lien est dans la description, maillot domicile et maillot extérieur pour une fois. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y et sachez que si vous achetez un maillot, pour nous c'est un truc de fou au niveau du soutien. C'est vraiment un soutien très très fort pour nous que vous achetiez le maillot pour montrer que, voilà, que le club il est là, il est présent, qu'il plaît, surtout qu'il est soutenu. Donc je compte sur vous. En plus Noël arrive quand même assez rapidement. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir ou faire un cadeau,
ça peut être une bonne idée, non? Je sais pas, moi je dis ça comme ça, après j'avoue que peut-être pas très objectif. C'est donc la fin de l'épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Si tu n'es pas abonné, tu peux le faire, c'est gratuit et c'est très rapide. Tu appuies sur le bouton s'abonner. Tu peux aussi mettre un pouce bleu pour soutenir le projet. Salut à tous, comment Minsk FC.